La pluie qui s'est abattue ce samedi sur la ville n'a pas été un obstacle à la délégation de la Fondation Maman Lydia Banza FML de poursuivre sa quête. Fidèle à sa mission philanthropique dans la ville de Likassi, qui est celle de venir en aide aux nécessiteux et aller partout où les besoins se font sentir, la FML a porté son choix sur la maison de détention Boma. Dans sa gibecière, un lot important des sacs de farine, des cartons de chinchard et des bidons d'huile. Sur place, une prière est dite à l'endroit de la bienfaitrice Lydia Banza par les prisonniers pour lui témoigner leur gratitude. Le représentant de Maman Lydia Banza circonscrit cette visite. Amen. Maman ni maman, tel que m'entretien m'kusema, ni fondation à qui on a fait un maximum de chana, m'kumbuka na moi bandou quoi, joua partager la moi na chakula et m'naona apa. Donc Rafiki Muzuri, nous avons kaka bandou quoi, que m'mateso, ata m'fura, m'nani fuata. M'kule m'tompiki accent sana m'fura, m'nene, m'pitié comme m'kono. Le directeur de la prison, quant à lui, n'a su retenir sa langue face à ce geste. C'est un grand geste de ma part d'abord, encore un grand geste auprès des détenus de la prison Roma. Je tiens à remercier profondément la fondation Lydia Banza. Nous avons des grands messieurs au niveau de l'Ukassi qui ont des moyens, qui disposent même des dépôts pour aider les détenus. Mais ils ne font jamais ce geste. Je suis très content que Dieu le bénisse, qu'il ne cesse pas, que ce soit pas la dernière fois, qu'il continue toujours à songer à ces pauvres qui sont en détention. La générosité, elle en a. Maman Lydia Banza le prouve à travers ses multiples œuvres.